Salut les viewers, c'est Marcus Paulus et bienvenue dans la Playroom sur l'épisode de Crossout, chers amis. Donc, la partie commence, nous sommes sur le premier niveau, hein, le premier entre guillemets niveau, c'est-à-dire, je crois que c'était Get the Machine Gun, hein, un truc comme ça. Juste pour voir comment ça se passe, s'il y a véritablement une différence ou pas. Et je pense qu'à la fin de cet épisode, nous allons améliorer tranquillement notre petit véhicule. On va voir ce qu'on peut y rajouter déjà. Ce serait peut-être pas mal. Je vous rappelle que ce canon est efficace quand on réduit les mouvements. Essayons là-bas. On touche. D'accord. Nous avons de quoi effrayer l'ennemi. Dommage qu'il n'y ait pas de visée. Oh la vache! Ça fait mal. Alors nous nous sommes fait littéralement défoncer, chers amis, pour être honnête. Hein. Ok. Alors c'est pas de notre niveau ici. Hein. Faut pas se voiler la face. C'est clairement pas de notre niveau. Oh, on s'est fait défoncer. Oh la gueule. Alors là, ça nous a mis une véritable branlée, chers amis. On s'est pris une branlée monumentale. Alors véritablement monumentale. Incroyable. Incroyable, incroyable. Joli véhicule. Très joli véhicule. Très joli. Ok, on s'est pris une branlée monumentale. C'est une catastrophe. On va quand même aller voir le fameux Gnadolf là. Vache. Oh la vache, oui, Gnadolf. Ouais, non, on va pas aller le voir en fait, vu le nom qu'il porte. On va essayer d'éviter de le regarder même. Oh la branlée que je me suis prise. Hashtag j'ai pas du tout le niveau de ces gens. Bon. On va jamais trouver l'ennemi qui m'a fait tant de dégâts. Ah bah attendez, je crois qu'il y en a un qui est en train d'attaquer tout à l'heure. Dommage, défaite. Ah bah oui d'accord, ils ont attaqué notre base. Ok, cool. Ouah la branlée. Bon garage, on a besoin de modifier deux trois petites choses je pense. On a des sous, c'est déjà pas mal. Market d'ailleurs, tiens, en fait. 5000, Reaper Autocannon. D'accord, bah tiens, juste pour voir. Hop. Donc là, à l'heure actuelle, on pourrait s'acheter des choses, apparemment. Si on voit que dans l'armement. Hurricane Launcher pour un lance-roquette. Non, même pas, on pourrait même pas se l'acheter. Autocannon 25mm. Homing Missiles. Heavy Machine Gun. Cricket. Oh là là là, il y a plein de choses qu'on pourrait s'acheter, je pense. Enfin bon, je connais pas suffisamment le jeu, donc je préfère pas faire d'achat stupide, on va dire. Là, j'ai pas ce qu'il faut, là, j'ai pas ce qu'il faut. D'accord, ok, ça met dans l'ambiance. Ça met dans l'ambiance, storage, store, d'accord, oui, effectivement. Oh, mais ça a l'air sympa, ça. Ça a l'air drôlement sympa, ça. Si je voulais les mettre. Imaginons que je veuille les mettre. Je pourrais les mettre devant? Non. Apparemment, non. Et voilà. Voilà, maintenant, si je veux mettre la deuxième, je peux la mettre aussi? Ok. Et maintenant, si je voulais mettre le machin au milieu... Ça passerait pas. D'accord, ça me semble logique. La question reste à ça. Merde, je fais des bêtises. Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Si je voulais mettre d'abord ça. Apparemment, il ne veut pas du tout.
Par exemple, si je veux mettre ça, rotate. Voilà. Hop. Voilà, en rotate, ce serait pas top. Power score 51. Là, ça fait 280 points de dégâts. Ça, hein. Il vaut clairement mieux mettre ça. Maintenant, on va savoir comment je suis censé le mettre. Je suis censé en faire quoi? Comment je fais pour mettre ça? Déjà, je m'approche. Ce serait pas mal. Ah là là, le QWERTY. C'est vraiment dommage, ce truc. Hein. Si je retire ça, imaginons. Ok. Et que je veux placer ça. Là, il veut bien. Limite même, je pourrais peut-être le placer là. D'accord, là il veut bien aussi. Si je voulais... Je peux rien placer ici. D'accord, si je voulais placer ces deux là en plus en fait. C'est là qu'est toute la... Ou alors sinon je... Ok. Hop. Voilà. Et est-ce que par exemple là-dessus, je peux rajouter... je sais pas moi. On est trois comme ça, bah écoute. Ça rend moche aussi là. Ça rend moche. Q il est ici, hop. Ok, si je fais ça comme ça, ça passe. J'ai plus assez d'énergie. D'accord. Ok, donc les générateurs d'énergie, c'est quoi exactement? Weapon radiateur. Ah oui, il y avait pas mal. C'était pas mal ça aussi, je crois. Je pourrais pas par exemple le mettre comme ça. Ah non. Donc c'était ici. Voilà, parfait. Et merde. Hop, voilà. Crac. Et donc là, ça refroidit bien mes armes, c'est cool. Ok, est-ce qu'on a autre chose? Est-ce qu'on a autre chose, chers amis? Est-ce que par exemple, je pourrais mettre quelque chose sur le côté pour la rendre un peu plus sexy? C'est pas ce que je voulais faire. Merci. Est-ce que je peux m'approcher? Oui. Est-ce que je peux faire des choses? Non. Bon. Oh, si, ça peut être sympa, ça. Visuellement, ça peut être sympa. Ah. Ouais, c'est pas trop moche, visuellement. Bon. Et ben, on va partir avec ça, chers amis. Battle! Et on part avec dans Get the Cannon. Ouais, Get the Cannon, comme ça on pourra avoir les bonnes roues après. Ou alors on fait un raid, tiens, on va bien voir. Hop, c'est parti. Comment ça, faut attendre aussi longtemps? D'accord, ok. Bon. Titan Cloud. Dr. Spiller. Desplane. D'accord, ils sont tous plus forts que moi. Non, je suis le deuxième, censé être le deuxième plus fort. Pourquoi pas. Hop les, alors, protect. D'accord, oh là, on va éviter de passer dans l'eau. Ça commence mal. Ok, new and me wave.
Hop. Hop. Ok. Ok. Ah mais merde. Ok. J'aimerais bien que tu touches. Hop. Voilà, parfait. Jusque là, défense successful. Où sont les autres? Ok. L'autre truc à défendre, c'est où? C'est quand? Merde. Forcément, c'est pas le bon. On va essayer de foncer dans un ennemi quand même pour la blague. Ça peut être rigolo. Mouahaha. Ah, sauf ils apparaissent dans mon dos. Oh, LOL. Hashtag physique. Hashtag j'ai noyé mon moteur. Ah, mais... Hop, et de 1. Hop. Qu'il assiste, d'accord. Bon, bah ça se passe pas trop mal. C'est vrai qu'elle a une tête comme ça. Allez, passe par l'eau, passez par l'eau. Oh la vache. Ça, ça a dû faire mal. Hop, les bouffes. Hop. Crac. C'est fait. Là, il me manque une roue. Ok, ennemi détruit. Bon, il me manque quand même une roue, hein. On a défendu 2 sur 3. La suite. Desplanck, ah oui, qui a 3 canons comme le nôtre. Voir au-dessus. C'est easy peasy pour lui, hein. Faut être honnête, c'est easy peasy pour lui. D'accord. Ok, on y va. Alors, où sont nos copains? Oh! Et de 1. Hop. Crac. Dégage. Comment ça, the boss is close? Hop, comment ça, the boss is close? Comment ça, il y a un boss? Hop. Ah, ça doit être ça le boss, non? Je sais pas.
Oh, le tank est mis à tourner. Non, je sais pas. J'imagine que voici le boss. Non? Oui? Non? Parce que j'ai plus que 2 roues en fait sur 4. Donc c'est pas que ça risque d'être problématique pour moi, mais... un tantinet quand même. Tout d'un coup, il y a un cadavre qui doit être sur le dos ou sur une roue dans le coin. Allez! Il va être là-bas en plus. Merde, j'ai appuyé sur A pour le spotted comme dans Robocraft. C'est pas bon. De toute façon, je peux pas faire grand chose là. Faut être honnête, je peux pas faire grand chose. Alors, viens voir papa. Ça y est, ils ont réussi. Immortal. Immortal. Bon, ça passe plutôt bien. 505 points, 3 tickets, 6 de copper. Pourquoi pas? Oui, on retourne au garage, s'il te plaît. Ok, easy défense victory. Si tu le dis. Kill or help, kill enemies with bullets in PvP, d'accord. Kill or help, kill one enemy by ramming in PvP. Ah oui, by ramming, ah bah, alors on n'est pas rendu. On n'est pas rendu. Eh ben écoutez les amis, on va se laisser là du coup pour cet épisode je pense. Merci de l'avoir regardé, n'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom, ne pas trouver le lien dans la barre de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures, salut les gens et yo.